Salut à tous, samedi 15 janvier et ce matin c'est bien gelé, moins 7,5, donc wouh, il fait froid. Donc on va aller ce matin sur le plateau avec les pendeurs, on va aller épandre les fumiers. Donc comme je l'ai dit, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, est-ce qu'il y aurait de l'épandage de fumier qui allait arriver sur la chaîne, et bien ça y est, on est prêt. Donc là je monte à la ferme, j'ai été chercher les pendeurs à la Cuma hier soir. Donc là tout est prêt, tout est attelé. J'ai juste à faire mes niveaux, démarrer le tracteur, le laisser chauffer, attendre que mon père soit une vaches, ça pour mettre de bonnes dans les manèges, hein, pour 10 minutes. Après on ouvre la stabu, on fait passer les vaches de l'autre côté et on cure sans plus attendre. Donc là ce matin je mets pas à la fumière, je vais étendre direct. Ça fait une semaine qu'il fait beau, on a du gel le matin, les gelées à moins 4, moins 5, c'est parfait. Donc bon, comme vous entendez sous les pneus, ça grésille bien, donc c'est vraiment bien gelé. Là du coup ce matin on va directement épandre afin de du coup pouvoir labourer dans quelques jours ou quelques temps du moins. Alors on va mettre la lampe, rapidement faire le niveau d'huile. Il y a de l'huile. Hop là. Bon. Bon, on va laisser les bonbonnes charger. Bon. Ah. Mais il fait bien bon. Très froid dehors. Bon. Faut que j'aille brancher mon retour d'air, moi, rapidement. Je rebranche la signalisation. Regardez que tout soit attelé, normalement c'est bon, ça c'est bon. On va sortir de là. Alors maintenant, il faut que je mette ça. Le petit chargeur de téléphone qui va bien. Voilà, hop là. Alors, passer en gamme B. Merde, la masse. J'oublie de l'allumer, ça va pas le faire. Bon. C'est parti, c'est parti. Super avec le soleil, c'est magique. Est-ce qu'il y aura cette cale? Children. Thank you.
Donc ça y est, je viens de finir presque d'épandre les épandeurs et le fumier du moins. Il me reste ce dernier épandeur que mon père est en train de charger. Donc j'en ai fait environ entre une dizaine et une quinzaine d'épandeurs aujourd'hui. Donc là il est 17h, enfin 16-17h, je sais pas trop exactement. Donc là je vais finir d'épandre cet épandeur, je vais le laver après avec le karcher. Je vais le laver, je vais le graisser. Je le ramène à la Cuma, après dans la foulée je vais mettre la charrue derrière le tracteur pour aller directement labourer ce fumier et l'enfouir directement de façon à vraiment garder un max de matière, éviter que tout l'azote et tout s'évapore parce que quand il va pleuvoir dessus ça va faire un lessivage. Donc là j'apporte directement ça et je recouvre aussitôt. Ensuite, parlons de 2-3 détails techniques. Donc j'apporte du fumier, pourquoi je l'apporte, de façon maintenant qu'il sort de cet abus. Donc alors c'est vrai que normalement le fumier je le laisse composter par chez moi, mais ça généralement derrière les tons de sol je l'apporte toujours comme ça parce que généralement ça relève l'humus du sol, de mettre du fumier pas trop pas composté du tout parce que là il sort de cet abus, il est quand même bien pailleux et ça c'est vraiment un avantage pour moi parce que ça va relever mon humus et ça va rajouter beaucoup de, on va dire, de filaments dans le sol, même s'ils vont pourrir au fil des années, c'est bien de façon à remonter l'humus. Et comme il est là, qu'il n'est pas encore minéralisé, toute la matière qui est dedans, c'est-à-dire l'azote, la pisse et tout, vont s'infiltrer dans le sol, vont se mélanger au sol. Et ça, c'est vraiment non négligeable, parce que c'est vraiment parfait d'avoir un fumier comme ça. Donc bon, voilà, j'en ai à peu près tout dit. J'emporte du coup entre 20 et 30 tonnes hectares, ça suffit amplement pour du tour de sol. C'est plutôt pas mal. Donc bon, de toute façon, ça lui tire pas au cul. Les conditions sont pas trop terribles à des endroits, parce qu'il y a des endroits où je me suis enfoncé bien de 40 cm, donc bon, en plus c'est sur la bourre, vu que ça a été labouré l'an dernier. Donc bon, ça s'enfonçait, mais bon, le tracteur est arrivé à sortir. Ce qui me faisait peur, c'est les pneus complètement lessivés à l'avant. Enfin, c'est un facteur limitant maintenant, ça devient vraiment un facteur limitant, mais là, non, c'est bien passé. Bon, ça patinait quand même, mais bon, j'ai réussi à éviter de tout défoncer. Ce qui me faisait peur surtout, c'est de planter le tracteur, mais non. Au final, quand j'y suis passé une fois, j'ai dit non, là, il se passera rien. Donc bon, vaut mieux ça que d'y laisser le tracteur au pont, donc bon, tant mieux. Mais bon, des fois, ça peut arriver. Donc bon voilà, allez, donc je vais finir d'épandre cet épandeur, quelques derniers plans, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si des fois la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça vous prend 30 secondes. Vous cliquez sur le lien s'abonner, et puis n'hésitez pas également à activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à aller vous abonner à Insta et TikTok, Cheryl Létard et Maxime Agrépation 24, ce sera tout en description. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les gars. Et salut à tous, donc bon, aujourd'hui on est dimanche 16 janvier, je suis le lendemain des épandages de fumier, donc le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc hier soir j'ai fini d'épandre à 5h30, un truc comme ça, donc après j'ai lavé l'épandeur, je l'ai graissé, je l'ai ramené à la Cuma, et je m'attendais à ce qu'ils gèlent ce matin, parce qu'ils avaient annoncé des moins 6, moins 7 ce matin, et ce matin quand je me suis réveillé, eh ben, il faisait bien, tout était bien gelé, il faisait environ moins 7,5, donc bon. Je suis monté à la ferme atteler la charrue, je suis venu là, je suis attaqué aux alentours de 7h30. Et là, il doit être 8h30, 9h. Là. Donc là, ça va plutôt pas mal. Ça va vraiment pas mal. Là, il fait moins 6. Bon, ça va. C'est vraiment bien, là, c'est gelé. Donc bon, j'avais peur que la charrue rentre pas au début, je te cache pas. Mais au final, putain, quand j'ai posé la charrue le long du bois là-bas, c'est rentré direct. Donc bon, tant mieux. Donc là, je suis parti labourer. Donc là, le problème, c'est que je suis obligé de commencer par la partie qui est la plus saine, on va dire. Et quand ça va dégeler, malheureusement, je vais arriver sur la partie où est-ce qu'il y avait les 10 cm d'eau là-haut. Là pour l'instant ça va, là, et même si c'est gras, ça va, ça colle pas au pneu de toute façon vu que c'est gelé. Et là-dessous, je vois quand même que c'est gras, à part dans les sables là-haut, parce que la partie en haut est sableuse. Et là ici aussi en bas, et là au milieu il y a un gros rond d'argile, enfin un petit, c'est un petit rond, il y a de l'argile. Le problème c'est que ça me coupe les doigts à chaque fois. Donc en descendant ça va, bon ça, ça descend légèrement, mais en même temps ça patine un peu. Il sera temps de changer les pneus après. Bon, pour l'instant ça va, ça se labore bien. Je sais que je finirai pas la pièce aujourd'hui parce que à mon avis quand j'arrive là-haut, si c'est quand ça va dégeler, ça va être baisé. Bon là franchement on dirait carrément qu'il a neigé tellement que c'est blanc, je vois même pas le fumier que j'ai tendu hier. Et la terre elle fume, laisse tomber comment. C'est normal, c'est la chaleur qui sort du sol, donc bon. Tant mieux que ça aille bien pour labourer parce que je pensais pas pouvoir labourer aujourd'hui forcément parce qu'on a quand même eu 120 mm d'eau il y a deux semaines, une semaine. Enfin, depuis avant il pleuvait. Je pensais vraiment pas labourer aujourd'hui, donc bon, tant mieux. Et puis ce qu'il fallait, de toute façon, c'est absolument que j'enfouisse ce fumier que j'ai étendu hier. De toute façon, ça, je voulais absolument l'enfouir. Parce que
c'est un fumier qui n'était pas forcément fait, qui n'était pas composté. Donc là, franchement, les conditions sont vraiment idéales pour pouvoir étendre et maintenant pour pouvoir la brûler. D'ici quelques semaines pour de nouvelles vidéos. Donc bon, voilà. Donc allez, à la prochaine.